أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile. Pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, ils convoitent de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car ils reniennent au verset le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci le Coran n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense. Zakar. Et qui te dira ce qu'est Zakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole ?» C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre. Zakar est l'un des plus grands malheurs. Un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Zakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs? Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'ils se le rappellent, mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint, et c'est lui qui détient le pardon.